Le festival international Festidame poursuit sa caravane de sensibilisation contre l'avortement clandestin en milieu scolaire à Libreville. Après le lycée national Leyomba, le tour est revenu au lycée d'État Pauline Djendjengonjou d'accueillir la direction de Festidame. Cheryl Bongota, Arnaud Mengi. Démarré il y a 2 semaines à Libreville, le lycée d'État Pauline Djendjengonjou a constitué la 2e étape de cette campagne de sensibilisation contre l'avortement clandestin. C'est une initiative de Festidame, Festival International des Dames. Le message est clair, la sensibilisation, rien que la sensibilisation sur ce fléau. Tout le monde est concerné. Les parents, l'État, les enseignants, les amis, les copines. Et je pense que le gouvernement qui nous suit est en train de réfléchir sur d'autres projets pour voir comment on peut lutter. Est-ce qu'on peut vraiment lutter? Nous sommes des leaders du pays. Et c'est pas pour ça qu'on peut rester face à la télévision, très bien, mais nous avons cette qui est celle de pouvoir aller vers les jeunes et d'apporter un espace et que les jeunes nous écoutent. Nous, nous avons là, en tant que un système de relais, nous avons un système de relais. Donc nous allons constituer un dossier avec des faits par rapport à ce que nous avons apporté à notre société. Nous allons mettre sur la table les autorités de la France. Tout comme à la 1ère étape, au lycée national Leyomba, le message semble être passé chez les concernés. Avec mes frères et mes sœurs, si le faisait, je venais à lancer un appel, on leur demandait de la façon dont on gagnerait beaucoup. On gagnerait beaucoup. Sur le plan financier, cette caravane qui rentre dans le cadre de la lutte contre ce phénomène en milieu scolaire n'entend pas s'arrêter là. Prochaine étape, lycée technique national Marc Bongo, car dit-on, il ne veut prévenir que guérir.